En guise d'introduction, j'avais envie de faire ce petit dessin. C'était juste parce qu'il restait des places devant et j'avais imaginé un monsieur avec une Kalachnikov à qui on dit « Installez-vous, les places sont libres devant. » C'était juste pour... Il est là, le monsieur avec la Kalachnikov. C'était pour mettre tout le monde à l'aise et que la journée se passe bien. En gros, pour moi, c'est le dessin d'introduction pour dire qu'effectivement, on peut et qu'il faut, je pense, rire de tout, y compris de ces connards, parce qu'on peut les appeler comme on veut, mais c'est d'abord des connards, qui se font, pas au premier rang, mais il reste des places, donc ils vont peut-être arriver après, mais qui se font exploser partout pour Dieu sait quelle raison. Déjà, notre rôle à nous en tant que dessinateur dans la presse, qu'elle soit satirique ou pas, c'est d'essayer d'être un peu les bouffons, permettre à ce que l'actualité soit un petit peu moins lourde et de susciter, si possible, des sourires, parfois des rires, même s'ils sont grinçants, et puis disons, dans l'absolu, alors là, c'est le dessin le plus réussi. C'est de faire bouger quelques lignes, faire réfléchir un petit peu, amener à avoir au minimum un point de vue différent sur les choses. Je pense que le principal problème aujourd'hui de la satire, c'est pas vraiment cette forme littéraire ou artistique ou cette forme d'expression qui est très ancienne, hein, qui est apparue avec les premières expressions collectives de l'homme. C'est plutôt la manière dont elle est reprise, comprise, lue et diffusée dans le monde entier. Quand Charlie Hebdo a 20 000 lecteurs en France, qui partagent les mêmes codes de lecture, la même manière de lire l'actualité, la même manière de lire, disons, le message qui est conçu et diffusé par ce journal, le problème est tout à fait différent de Charlie Hebdo, dont les couvertures sont diffusées via Internet dans le monde entier, lues par des centaines de millions de personnes, ou regardées par des centaines de millions de personnes qui ne connaissent absolument pas le journal, qui ne savent pas de quoi il s'agit, qui ne partagent absolument pas les mêmes codes de lecture, qui ne savent pas qu'il faut prendre les choses au deuxième degré, qui ne connaissent même pas l'idée de deuxième degré, qui ne comprennent pas comment doit être interprétée la caricature, et qui donc reçoivent en pleine figure, je dirais au premier degré, ce qui peut apparaître à certains comme étant effectivement purement de l'injure, du blasphème, etc., etc. Dans les dictatures, il n'y a pas d'humoriste et il n'y a pas de caricaturiste. Staline a même dit qu'un pays heureux n'avait pas besoin d'humoriste. Et donc, c'est là qu'on peut, à partir du moment où on réfléchit à ce genre de considération, qu'on se rend compte qu'en fait, la satire, la pratique de la satire, est véritablement essentielle au bon fonctionnement d'une démocratie. La liberté d'expression, disait Bernard Mouffe, c'est d'une certaine manière une liberté de nuire. En principe, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il est dit, la liberté, c'est ne faire tout ce qui ne nuit à personne d'autre, faire tout ce qui ne nuit pas à l'autre. Eh bien, la liberté d'expression, d'une certaine façon, ça peut nuire à l'autre, ça peut le choquer, ça peut le révolter, ça peut le scandaliser, ça peut éventuellement nuire à sa réputation, parce qu'on dit du mal de quelqu'un, on le montre du doigt, on le stigmatise. Donc, il y a nécessité dans une société démocratique d'accepter qu'il y ait, d'une certaine manière, une liberté de nuire qui se manifeste à travers la satire, à travers la caricature, à travers l'humour noir, l'humour décapant. Quand le marché est difficile, quand la situation économique est difficile, tout le monde a tendance à utiliser les recettes qui marchent, c'est-à-dire du proche, de la proximité, du populaire, du people, de l'utile, hein, du pratico-pratique, comment remplir votre déclaration d'impôt, comment soigner votre herpès. Et on a cette sorte d'uniformisation qui se produit dans les marchés aujourd'hui. C'est la loi du marché. Il faut pouvoir échapper à la loi du marché pour avoir une certaine liberté éditoriale. Le canard enchaîné, s'il vit et s'il survit, c'est grâce au fait qu'il a une niche extrêmement
précise de public, sans publicité, hein, c'est quand même formidable, avec une production qui ne lui coûte pas trop cher, puisque c'est 8 pages en deux couleurs, et ça ne coûte pas très très cher à imprimer. Il y a l'exemple de Harakiri, le décès du général de Gaulle, voilà, qui a donné naissance à Charlie Hebdo, en fait, parce que ici c'était un bel exemple de censure, et le lendemain même ou une semaine après, il ne pouvait plus éditer sur le nom d'Harakiri, et c'est comme ça que Charlie est... Donc c'était une belle réponse au pouvoir, hein. Une semaine après, il y avait le journal, la même équipe évidemment, hein, qui sortait de... Et c'était lors d'un décès. Ouais. Bah, à propos d'un décès, je ne sais pas. Est-ce que vous savez comment Charlie a titré son numéro qui est paru après le décès du roi Baudouin ? Est-ce que vous savez ? Le roi des cons est mort. Mais c'est au public que je parle. Le roi des cons est mort. Donc ça, je ne sais pas si. Donc c'est nous qui étions concernés, hein, c'est le roi des cons, puisqu'à l'époque, il était de bon ton, Coluche y a contribué, de se moquer des Belges, voilà, donc c'était une façon, en Belgique je pense que ça n'a pas fait rire tout le monde. Ça suppose une espèce de contrat de lecture entre celui qui parle et celui qui écoute, celui qui dessine, celui qui regarde, celui qui écrit et celui qui lit. Élitiste, c'est pas un gros mot, hein. Parce que tu poses la question en disant c'est élitiste, mais on dirait que finalement derrière ce mot se cache une notion accessible à une certaine catégorie de personnes, mais je pense qu'il y a un très beau livre qui s'appelle L'éloge de l'élitisme, qui est écrit par Claude Javot, si je ne m'abuse, ou en tout cas un monsieur qui s'appelle Javot, je ne sais pas si c'est Claude Javot de l'ULB, et qui est un livre où il explique, mais de façon brillante, qu'il faut essayer d'amener tout le monde un peu plus haut, et donc faire tendre les gens vers des démarches intellectuelles un peu plus complexes. Et je pense que la presse satirique, c'est vraiment ça son problème, c'est que, ou en tout cas c'est sa mission, c'est d'essayer de faire passer le lecteur du premier au deuxième degré, du deuxième degré au troisième degré. Hein, si on fait une couverture sur un numéro consacré à la rentrée scolaire, ou en couverture on met un dessin où on voit Dutroux qui sourit derrière la vitre en disant « vite je vais faire le plein, c'est la rentrée », évidemment au premier degré c'est totalement odieux. Mais fondamentalement, c'est drôle et ça ne nuit à personne. Ça ne nuit complètement à personne. Et donc, voilà, c'est une façon de pouvoir rire d'un certain nombre de choses. Et ça n'est pas élitiste au terme. L'élite intellectuelle, allons-y, montons de plus en plus vers cette élite et on n'en sera que mieux. Et avec des gens qui réfléchissent dans la société, je pense qu'il y aura beaucoup moins de guerre, beaucoup moins de violence. Alors la déontologie dit quoi ? La déontologie dit... En matière de faits, en matière de récits de faits, de rapports de faits, la vérité est en quelque sorte la seule limite. Donc les faits sont contraignants. Les opinions, les avis, les interprétations, la satire, la critique sont totalement libres. Et les journalistes, les éditeurs sont d'accord là-dessus, revendiquent cette liberté de publier ou de ne pas publier des satires, des critiques, des éditoriaux. Je crois que tout ça, c'est quelque chose, et bon, c'est assez chouette qu'on a un public essentiellement jeune et aujourd'hui. C'est ça, je crois, qu'il faut essayer d'apprendre, c'est à lire les choses au deuxième degré, se poser des questions, exprimer son avis sans se laisser influencer par ce qu'ils en disent chez Surpresse, à la DH ou au Parti Populaire. Enfin voilà, être dans une capacité d'analyse, de pouvoir entendre des avis divergents, et surtout aussi, à mon avis, essayez de comprendre que quand on a une opinion, si on vous dit qu'on n'est pas d'accord avec votre opinion, c'est pas pour autant qu'on vous marche sur les pieds et que ça fait mal. D'accord ? Je pense que c'est une des grandes... une chose que moi j'ai retenue des rares cours de morale laïque que j'ai suivis, c'est que si on n'est pas d'accord avec vous, c'est pas pour autant qu'on vous agresse physiquement. On a une idée, c'est une chose qui ne vous appartient pas, au même titre que votre corps, votre droit de vivre, votre intégrité physique. Il faut quand même dire que sur les 28 pays de l'Union européenne, il y en a 15 dans lesquels le blasphème est encore un délit, qui peut être poursuivi en justice. Donc le fait de porter outrage à quelque chose de sacré pour la communauté dans laquelle on vit, et dans certains pays d'Europe, par exemple en Pologne, par exemple en Roumanie, par exemple en Bulgarie, toujours considéré comme un délit pénal, poursuivi en justice. Or, c'est quand même assez paradoxal parce que on ne peut outrager que si on fait partie de cette communauté.
un blasphème ne peut être prononcé que par un membre de la communauté à laquelle ce blasphème peut éventuellement s'adresser. Je ne peux pas être outrageant pour un orthodoxe si je ne suis pas orthodoxe. Je ne peux être outrageant pour l'orthodoxie que si je suis orthodoxe, par exemple. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Le blasphème est un outrage à Dieu, mais qui peut se prétendre le porte-parole de Dieu pour venir porter plainte ? Le seul qui puisse se plaindre de l'outrage, c'est Dieu. » Est-ce qu'il ne faut pas, en tant que parent ou futur parent, apprendre l'insolence aux enfants plutôt que de leur taper sur les doigts quand ils disent un gros mot ou quand ils font une réflexion qui est déplacée ? Est-ce que ce n'est pas en recadrant les choses, non pas par la répression, mais par... Est-ce que tu comprends ? Ce que tu as dit est peut-être un peu méchant ou désagréable ou vexant par rapport à la personne dont tu parles, mais quelque part, c'est quand même drôle. Donc, enfin, je crois qu'il y a tout un travail d'éducation à faire par rapport à ça. La liberté de ton, la liberté d'expression, le droit à se moquer de tout, mais absolument de tout, qu'il y avait dans les années 60, 70 et encore 80, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on ne peut pas dire le mot « bite » parce que c'est très malvenu, alors qu'il n'y avait pas une couverture d'harakiri où il n'y avait pas une femme à poil ou une référence sexuelle ou des choses scatologiques ou des choses comme ça. Il y a aujourd'hui une espèce de bien-pensance qui s'est installée, une espèce de pensée unique qui, moi, me fait un peu peur. Et c'est justement le bon moment pour relancer l'esprit satirique, l'esprit critique, l'esprit moqueur, l'esprit irrévérencieux. Et c'est évident que tous ceux qui ont été alimentés, je pense qu'on est nombreux ici à être dans le cas, par l'esprit du professeur Choron, par Cavana, par GB, par Rezer, et puis par Walensky, Cabu, etc., etc., ben, on a baigné là-dedans, et cette forme d'expression est finalement tout à fait normale et naturelle. Des vannes pourries, mais on en fait sans arrêt. On a fumé trois clopes là sur la terrasse et on n'a pas arrêté de dire des conneries. C'est plus fort que nous, je pense que c'était une mentalité. Et puis, ben, on a la joie de pouvoir faire notre travail avec ce genre de choses. Je discutais avec quelqu'un du public pendant la pause et qui me demandait qu'est-ce qui nous motivait à continuer à faire de la presse satirique. Mais ce qui nous motive, en tout cas même pas peur, et moi ce qui me motive, c'est de m'amuser, c'est de continuer à rire, c'est de pouvoir non seulement rire, mais rire avec tes potes, écrire des choses ensemble, monter un projet, boire des coups, hein, parce qu'on ne peut pas faire une réunion. C'est ça la grande différence, comme le disait un de mes amis, entre la presse traditionnelle et la presse alternative satirique, c'est qu'au comité de rédaction, dans la presse traditionnelle, ils boivent du café, tandis que nous, on boit des coups. Hein. Et voilà, on veut pouvoir continuer à être dans cet esprit-là.